attarder mon renard à neuf queues qu'on doit élever comme un animal de compagnie. D'accord, raconte-moi tout ça en détail. Et ce renard s'appelle Kurahama? C'est ça. Au départ, il est bien caché dans un gros œuf. Et ensuite, on lui fait plein de caresses toutes douces et puis on l'encourage beaucoup et alors il sort de sa coquille, tu comprends? Waouh, c'est la classe, un renard qui éclos d'un œuf. Et c'est pas fini. Quand on lui donne à manger des pilules du combattant, il est super content. Je résume. D'abord, on le fait éclore de son œuf et ensuite, on lui donne la béquille. Mais c'est un vrai gros bébé, ce Kurahama. Tu dois aussi lui changer ses couches? Hé là, doucement, c'est qui que tu traites de bébé? T'emballe pas. Non, mais là, je parlais du jouet. Viens, Kurahama, viens. Qu'est-ce que t'as? Faut te mettre ta couche, hein. Tout va bien. C'est seulement que le vrai Kurahama n'est pas très content. Oh là là, j'imagine trop Kurahama avec une couche.